I am American and I fuck you. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle partie de mon playthrough sur Saints Row 4. Je sais absolument pas dans quelle partie nous sommes, mais je sais qu'est-ce qu'on va faire, c'est continuer. Et oui, nous allons continuer. Alors, on s'est arrêté, on avait fait une mission secondaire, hein, on avait été voir Kinsey, etc. Alors ici, on va faire encore une mission principale. Je pense que, au niveau des épisodes, ce sera... je sais pas trop comment je vais faire, une ou deux missions principales par épisode, le reste en secondaire. Je vous demande 2 minutes, je vais juste diminuer mon son du jeu. Voilà. Comme ça, c'est mieux pour moi. Donc on va continuer. Alors, en off, j'ai récupéré de l'argent, je me suis amélioré mes pouvoirs et fait quelques améliorations. C'est pour cela que par rapport à la partie précédente, j'ai... En amélioration, j'ai pris des bonus genre expérience, etc. En pouvoir, je les ai... je sais plus ce que j'ai pris, mais bon. C'est pas grave. Alors, éteindre la foi. Voilà, on y va. On va prendre le Hegel. Alors. Hop. J'utilise souvent mes trucs que j'ai dans... Dans le collecteur. We can all agree that that was fucked up, right? No kidding. Does this guy really think we would just trust some random ghost in the machine? Okay, this guy has a line on our friends. We gotta check it out. I mean, besides, what's the worst that can happen? I die. You die. We all die. Any combination that involves death at all, really. On est tout prêt. On dirait que là, on est sur une mission secondaire. Donc les missions principales ou secondaires nous envoient vers les quêtes annexes en fait. Je me suis trompé. Parce que dans le jeu, il y a les quêtes principales, le jeu. Il y a les quêtes secondaires, des missions qui nous débloquent avec d'autres personnages, etc. Ok. Voilà. Et après, nous avons les missions annexes additionnelles. Alors ces missions... ce sont des missions souvent que le mieux c'est de les faire en coop pour mieux s'amuser en fait. Alors. Ok, ça m'a l'air un peu chiant, je sais pas pourquoi. On dirait. Alright, I'm here. Now tell me how you can help me find my friends. I know how to navigate the Zin systems and travel between them. If you can find the right simulation, I can open a gateway between that okay, donc en fait, faut aller sur le centre. Why are you helping me? Merde. Because I have no love for the Zin, as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zin simulations, creating rifts, which cause chaos for Zinyak. Donc ça c'est nouveau type de mission secondaire. Your help ensures that we can keep them open permanently. Allez, mon. A benefit to us both. So why aren't you doing this yourself? My body has long since died. Okay, c'est bon. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. You don't have a body, the fuck you gonna help me? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form I can Load my memory matrix into first. There's always a catch. Unlike humans, I keep my word. Ça c'est le fun, je pensais que ça allait plus chiant que ça, besides, mais en fait non, ça va. You know you need me. Je pensais vraiment que ça allait être vachement plus chiant que ça, mais... Faut juste que je me concentre un peu, c'est sur les sauts. Putain, bien sûr, je suis mort. Voilà. Ah ouais, mais là. Ok, je suis en bronze seulement. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Les sauts, faut que je les maîtrise mieux. Là j'ai fait n'importe quoi. Faut que je l'ai. J'appuie en fait sur enfoncer. Voilà. Et en fait à mon avis, après, je m'en fous, c'est une mission secondaire. Ça doit être pas mal en coop ça, parce que ouais, ça doit être vachement mieux en coop je pense.
ça doit être assez amusant. C'est pour ça surtout que tout ce qui est annexe, coop et tout, je suis avec quelqu'un, parce que tout ce qui est annexe, les missions principales secondaires, que ce soit seul ou à plusieurs, ça y a aucun problème. Mais c'est pour les missions annexes. Alors, quête principale, on va continuer. Hein. On va quand même faire beaucoup plus. En fait, on va essayer. En fait, ici, on fait tout. On nous apprend à éteindre la foi. C'est la mission on nous apprend. Voilà, là, j'ai fait. C'est la mission principale qui nous apprend un peu tout sur les missions, les différentes missions secondaires. Merci. Là, on n'est vraiment pas encore dans. Enfin, si on est dans le jeu, mais on est vraiment qu'au début du jeu où on nous apprend que faire dans le jeu, les missions annexes, etc. Pardon pour le micro. Hop. Donc. J'adore ça. Je charge à fond. Je vais viser ce putain de vaisseau. Touche. Yeah. Ah non, en fait, il a pas touché. J'adore, c'est le bruit d'aigle. C'est trop fort. Touché. Bon. Alors, oups. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, j'ai frôlé quelque chose. Non, on m'attaque, on dirait. Ouais, on dirait qu'on m'attaque. Je m'en fous. Là, je vais me diriger. Une autre mission secondaire, je pense que c'est une mission de chaos. Effectivement, on m'attaque. Désolé, l'avion, mais... Voilà, tu étais comme un kamikaze pour moi. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Convenient. Ok. Coup de chaud. Appuie deux fois à un, changement rapide d'élément. Now use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. Now what? Huh? Now this would be great at a barbecue. Oh, ok, ça va. Donc apparemment, je l'ai débloqué. Donc ça me permet de débloquer le. En fait, on a trois pouvoirs. On a coup de froid, coup de chaud. On a un truc de pensée. Je pense que c'est quand on a la possibilité de lever. Les ennemis, les véhicules, etc. Oups, ça j'ai raté. Et à mon avis, on a un quatrième vu qu'on a 4. Putain, tu vas mourir. Vu qu'on a 4 emplacements possibles sur la roue avec les flèches. Donc si je fais ça, j'ai le coup de froid. Si j'ai ça, j'ai le coup de chaud. Et si on combine coup de froid suivi de coup de chaud. Non, ça ne fait rien. More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code, that is. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Donc en fait, avec des, on va pouvoir débloquer en fait des différents pouvoirs. Ouais, ça. Plus d'argent, plus d'expérience. J'ai oui le bonus 5%. Et aimant explosion de feu. Ok. Mais franchement, on va encore continuer. Hein, faut au moins continuer. Quoi qu'on a fini la mission principale. Une petite mission secondaire. Et si j'ai le temps, je ferai une petite mission principale. Seulement si j'ai le temps. Ici, apparemment, on va apprendre un truc qui avait l'air pas mal, c'était de monter au-dessus des tours.
Donc ça, apparemment, ça va être pas mal à faire. Monte au sommet de la tour. Mais bon, à mon avis, pour réussir, c'est en utilisant les sauts. Je sais pas si en prenant ici, bon, c'est pas le VTOL, mais le Eagle. Mais ils l'appellent le VTOL, je sais pas pourquoi. Enfin, il faisait marquer, en tout cas, VTOL tantôt, les commandes du VTOL. Mais ici, il faut commencer à partir de la base. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Je voulais me poser, mais... Non, non, je suis obligé d'aller en avion dessus. Quoique, à partir de... Voilà. Et en même temps, apparemment, les tours sont assez intéressantes parce qu'on arrive à débloquer pas mal ces deux de clusters, donc pour améliorer ses... pour améliorer ses pouvoirs, alors... Juste, hop. Parce que j'ai pas envie de me faire chier. Et que je l'ai, alors autant l'utiliser. En plus, je suis quasiment à côté. J'avais foiré mon coup. Alors, je descends. Voilà. En fait, au début de la quête, il est là. Donc, autant prendre l'avion. Ok. Comment je fais après? Je dois l'activer, mais pour cela je dois monter. Donc il me faut une plateforme. Ah, ce serait cool d'avoir le truc pour grimper. Ah bah je l'ai. Pour cette mission, je l'ai. Ou alors je l'ai acheté. Mystère, mystère. Ah non, là je peux plus monter. À mon avis, c'était rien que pour la mission. On va. Donc en fait ça nous permet en fait il y a un pouvoir, c'est grimper au mur. Et ici apparemment ce pouvoir je l'avais même pour pouvoir monter. À certains endroits il est débloqué, mais je sais quand même le débloquer avec, en ayant un max de cluster pardon. Et comme ça je pourrais ok. Donc ici je suis au point de téléportation, comme ça en cas de problème, c'est ici que je reviendrai. Voilà, on fait ça. Ok, ouh, putain là j'ai eu chaud. Oh là aussi, ça va, ça va. À mon avis ici, faut grimper. Malheureusement, j'ai loupé un cluster, c'est pas grave. Alors maintenant, je cherche. Merde. Oh shit. Shit, en plus, je sais même pas où il faut aller. Oh, fuck. Je sens que les tours. C'est un peu chiant. Oh merde. Je fais ça. C'est que je peux pas. Non, je tout refais. C'est une blague. Oh, attendez. Hop. Merde, hein. J'ai mis un point de téléportation. Je vais même pas me téléporter. Alors. Voilà, je m'en fous franchement de ce qu'on me dit. J'utilise pas de code, j'utilise juste les trucs que j'ai. Là, je suis tombé comme une merde. Bon, il est où le point? Il est là. Ok, j'y vais. Voilà. Voilà. Je pense que là, j'ai bien monté. Le point, il est.
quelque part par là. Je vais me mettre ici, ou alors il est en dessous. Allez, je vais me mettre ici. Ok. Il est au-dessus. Ça va, je me suis rattrapé, on va dire. Donc là, c'est le point de téléportation. Qui, en réalité, on se téléporte pas, mais... Ce n'est pas grave, d'accord. Alors. Maintenant, apparemment faut monter. Oh voilà, on peut activer la tour. Bingo, elle est en bleu. Ils auraient pu mettre mauve, mais ça serait les pouvoirs sont bleutés, on va dire. Donc la tour est explorée. Maintenant, je vais aller au début de la forêt. Téléphone, mon petit gueule. C'est vrai que si vous n'avez pas l'édition, vous l'avez pas débloqué, donc c'est un petit peu con effectivement, mais... Il y a peut-être moyen de débloquer un truc en enregistrant. Je sais pas. Amélioration, je vais quand même essayer d'avoir le truc comme ça, un petit peu, je vous montre les pouvoirs courir sur les murs. Donc je vais regarder pour l'élément. Alors, cours sur les murs, ah bah je l'avais. Ah bah c'est cool, je l'avais déjà. Ça va, j'avais pris. Donc, rien de bien. Alors maintenant on va aller au début de la fraude, donc faute à l'assurance, qu'on a pu faire dans la dernière vidéo détente, dans la partie 5. Donc ici on va se rendre, donc vous voyez il y a plein de tours, et en fait les tours permettent de débloquer pas mal de clusters, donc moi... Je conseillerais vachement aux gens de les faire à pied et pas entre guillemets en trichant, même si c'est pas vraiment tricher parce que je l'ai acheté comment l'édition avec le Eagle, mais oups, voilà, j'ai acheté l'édition avec le Eagle, donc autant utiliser le Eagle, je veux dire voilà, sinon ça sert à rien. Le Eagle est quand même assez résistant, parce que combien de fois je l'ai pas lancé. Alors on va commencer cette fraude à l'assurance. 300 000. Ok. Donc en fait la fraude à l'assurance, on peut le faire n'importe où, mais je préfère me diriger vers une zone où on a plus de chances d'avoir... dans les zones bleues, on a plus de chances. Je sais pas trop pourquoi. Si on a... adrénaline, là il faut faire quelque chose. Oh merde, elle m'a raté. C'est pas une bonne zone. Non, putain, qu'est-ce que je fous, je vise mal. Ok. Ah, 10 000. Ça va. Je pense avec l'adrénaline, allez, roule, 5 ans pour une fois. Oh, j'ai dit. Les flics, bon, putain, mon mère. Donc, il y a les flics, il faut... Putain, à chaque fois à côté. Ah non, mais je pense que c'est parce qu'il y a les feux rouges. Oh là là, je vole assez bien. Elle bouge parce qu'il y a le feu. Ok, ah, vas-y, ok, 20 000, 25, 28, 20, oula, là, ah non, mais là je suis en adrénaline. Ah là j'étais bien, 50 000 d'un coup, je suis à la moitié, il me reste 2 minutes. Okay, là je suis pas mal.
Ok, je peux en fait comme contrôler, mais seulement si je touche le sol, ça compte pas. Mais le but c'est de toucher en fait les voitures, de faire une sorte de rodéo sur bagnole. Le but étant de toucher les bagnoles, de même faire des allers-retours entre les différentes bagnoles. Et en fait, on ne se... Ok, merci. Trouve-moi encore, encore. Et 22 mai, ok, on sera bon. Merde. Oui, il faut le pas faire s'il n'y a pas de bagnole, c'est beaucoup trop con. Vous voyez qu'en l'air, en fait, on contrôle bien. Ici, on touche une voiture, il n'y a aucun problème. Et moi, je vous montre un peu hors vidéo détente, parce que vous pouvez passer vidéo détente si vous voulez vraiment voir que l'histoire. C'est votre droit de voir que l'histoire et que vous vous en foutez. En fait, que vous en foutez des vidéos détente parce que vous préférez voir l'histoire, c'est totalement votre droit. C'est pour cela que je fais des vidéos détente pour l'émission annexe, que je fais des vidéos avec les audios, c'est les principales et secondaires. Mais pour avoir le trophée, je dois faire les secondaires, et les secondaires, c'est... Pour le moment ici c'est tutoriel, mais par la suite on va avoir un scénario à mon avis qui va se construire sur les missions secondaires. Putain là je suis mal, il me reste 20 secondes, je suis très très mal. Si je rate, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. 10 000, allez plus vite. C'est bon, il faut que... Allez, vite vite vite, yes, gagné. Le bronze seulement. Voilà, parce que le combo, il faut bien que on récupère l'argent. 2000 plus d'XP. J'ai eu chaud. Trop de l'assurance sur la carte. Donc voilà. Ici, on est à 21 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite mission principale. On a besoin de l'IA pour accéder aux autres simulations. Il faut trouver un corps au boulot. Ça, je pense que je vais commencer dans l'autre. Et je vais terminer par ce temps qui est pour toi. Et dans la prochaine vidéo, je ferai... ici, normalement, c'est la dernière mission secondaire qu'elle nous montre. Parce qu'après, on les a toutes vues. Donc, elle nous a montré un petit peu... le jeu. Ici, dans la prochaine vidéo, je vais faire pas mal de missions principales et après je ferai une vidéo des temps. Donc la prochaine vidéo, ce sera 100% principale. Voilà, ici, on va faire une petite mission secondaire. Enfin, l'émission en tout cas. Ah, le temps, je le sauvegarde direct. Ah merde, je peux pas. Donc en fait le but c'est de faire 300 000 de dégâts en ayant le combo le plus longtemps possible. Donc il faut détruire le plus possible pour avoir le plus longtemps le combo. Voilà, le mieux je pense que c'est les roquettes. On peut utiliser les deux en fait. Ce tank malheureusement je peux pas le sauvegarder. Mais ils ont quand même amélioré parce qu'il faut savoir que dans le 3, il fallait obligatoirement utiliser des grenades, enfin obligatoirement, il fallait utiliser des grenades, en fait on n'avait pas de temps. Il fallait entre guillemets tricher, ruser pour avoir le temps en fait. Il fallait ruser, le récupérer avant, c'est-à-dire appeler le téléphone, le véhicule. Il fallait ruser. Et apparemment ils l'ont mis. Est-ce que tout on a un tank? Est-ce que peut-être qu'après on a un hélico? Ah, la manette est bientôt déchargée. Heureusement on est bientôt à la fin. Ça va, mais ça va vite avec le temps. Regardez, je suis bientôt au bronze en 50 000. Voilà, maintenant pour l'or c'est 1 000 000. Ça va être un petit peu plus chaud. Surtout que là je viens de noter comme à moins que rien. Donc, il est pas mort. Malheureusement le rayon ne fait pas assez de dégâts. Mais les tanks rapportent pas mal. Dans la vidéo des tanks, je pense qu'on avait fait ça.
Ça a rapporté pas mal. Allez, ça aurait pu le faire, mais voilà. Ça l'a pas fait, c'est pas grave, écoutez. L'argent, c'est déjà très bien pour une première. Continuez. Dommage que ça se met pas en argent. Que 3000. Avec en plus le pourcentage, vu que j'ai acheté le truc spécial. Ah, j'ai quand même le véhicule. Et j'ai les missions annexes chaotant qui sont débloquées. Ok. Un souci. Je vais aller voir un peu une nouvelle quête. Donc, dans les quêtes secondaires, Kinsey, elle a terminé de nous donner toutes les missions. De nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la simulation. Donc ici on a Kay David qui va pouvoir nous montrer d'autres missions avec un autre scénario, on va dire un scénario parallèle. Mais dans la prochaine partie on va faire que des missions principales. Vidéo, celle-ci est une vidéo un petit peu plus courte, hein, mais voilà. Alors on a également des défis. Les quêtes terminées. Ok. Donc les défis, je récupère ma thune. 5000. Ça va. Je me fais pas mal d'argent. Je vais peut-être faire des améliorations comme ça un petit peu, vous voyez. Capacité. Endurance. Ça c'est pas mal. 12 000. J'attends un peu d'avoir plus d'argent. Combat. Regarde un peu. Munitions. Explosif. Ah. Ah ouais mais non. Non j'utilise pas des trucs. Fils à pompe j'utilise pas. Je préfère attendre de faire monter l'argent en fait. Pas plus de santé, je les appelle jamais. Ouais, c'est les bonus en fait qui. Charonnage. Ouais, ça ouais. Les bonus, surtout je prends. Ça permet de débloquer plus d'argent. Du cash contre de l'XP. Pourquoi pas. Pickpocket, non, je suis trop bourrin. Combat. Munitions explosives, j'aimerais bien. Santé peut-être. Santé. Les objets ramassés sont attirés vers toi dans un rayon légèrement plus étendu. Pluéton, ça c'est pas mal. Et santé, valeur des objets augmente légèrement. Ouais, elle coûte pas cher. Voilà, j'ai plus que 52 000. Je préfère laisser monter. Etc. Dégâts, petites armes, réduction mineure. Ouais, à quoi pour les dégâts ça peut être intéressant. Celle-là, ça coûte pas cher. Les dégâts de feu, explosion. Je verrai un petit peu aussi quand je vais évoluer dans. En évoluant dans le jeu, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est pour moi est mieux. Ou, voilà. Alors on va regarder un petit peu pour améliorer quelques pouvoirs. Éléments, explosion. Si je prends le feu. Non, il n'y a rien. Alors pour le saut, un saut plus haut. Réflexe ninja, récupère de la santé lorsque tu utilises les réflexes ninja. Saute. Voilà. Ensuite, je regardais pour le sprint pour avoir une vitesse plus importante. Voilà, en fait, je rallonge cette vidéo. Donc, on va terminer là-dessus. Donc, bon, ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Je passe au level supérieur. On se retrouve la prochaine fois pour plus d'aventures épiques. Je vous dis merci d'avoir la prochaine. Moi, personnellement, ici, je vais faire du off, donc déblocage de magasins, création de vêtements. Et de bagnoles personnalisées. Donc voilà, je ferai peut-être dans les vidéos détente créer une bagnole ou un truc ou l'autre. Mais en tout cas pour le moment, voilà, je n'ai pas fait longtemps, mais voilà, je débloque les magasins. Le piratage, c'est absolument pas important de vous le montrer. Mais surtout, j'allais vous préparer les petites émissions juste après. Voilà, en tout cas, vous savez ma vie, même si pour vous, vous en foutez que je vais préparer une mission. Mais au moins, vous savez que
je prépare, quoi. Que je ne chôme pas, parce que souvent dans mes playthroughs, etc., je ne fais pas des sessions. C'est très rare quand je fais par exemple deux vidéos d'affilée, quand j'enregistre deux vidéos d'affilée. Vous pouvez le voir parce que je suis à chaque fois dans le menu. Le pourquoi du comment, c'est parce que là je me fais déglinder, faudrait peut-être que j'appelle mon Eagle. Pourquoi du comment, c'est parce que dire ouais il fait une vidéo de temps en temps, comme ça il n'enregistre pas, il joue jamais. Je joue pas énormément, mais je suis souvent sur mon PC, soit pour préparer des émissions, pour faire du montage, parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai également la passion de la musique, voilà, j'ai maintenant les vidéos. Ça va être un petit peu plus chaud pour les tourner, pour les monter, pour les enregistrer, pour les uploader à cause des cours. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. C'est obligatoire. J'ai envie de détruire cette statue. Il y a un beau cluster au-dessus. Ouais, sauf que là j'ai raté mon coup. Allez, merci, au revoir, à la prochaine. Alors c'est peut-être, est-ce qu'on va me prendre pour un mec chiant? Je dis souvent pouce vert, abonnez-vous, etc. Mais si vous mettez un pouce vert, ça veut dire que le travail que l'on fait, vous aimez. Si vous mettez un pouce rouge, ça veut dire que vous aimez pas, et c'est important. Parce que si une émission par exemple a plein de pouces rouges, ça veut dire qu'elle plaît pas, qu'il faut peut-être l'arrêter. S'il y a plein de pouces verts, ça veut dire qu'on peut la continuer, qu'on peut l'améliorer surtout. Mettez en commentaire si vous avez des suggestions, des améliorations, des... C'est bien de faire ça ou de pas faire ça. C'est une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée. Parce que franchement, on dirait pas, mais c'est super important. Les pouces verts, les commentaires, les pouces rouges aussi, c'est important. Au moins, on voit que vous aimez. Pas les pouces verts que vous aimez. L'abonnement aussi est très très important. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous pouvez nous suivre. Et quand on a des abonnés, on a entre guillemets. Pas un respect, mais on est sûr en fait, quand vous abonnez, c'est-à-dire que vous voulez suivre. Et c'est vachement bien. Et... enfin bref, voilà. Je trouve que c'est super important. Pour même quand ça vous plaît pas. Quand ça vous plaît moyennement, vous n'êtes pas obligé de mettre j'aime, je n'aime pas, mais peut-être commenter, ça c'est ce qui est bien, ça c'est ce qui est pas bien. De toute façon, je vous dis merci, au revoir à la prochaine. Allez, bye.